Vous savez, ce conflit israélo-arabe, ça dure depuis 76 ans. Et vraiment, il est grand temps que les États-Unis d'Amérique, qui seuls les États-Unis d'Amérique, peuvent faire pression sur Israël. Aucun autre pays au monde peut faire pression sur Israël à part les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la réalité. Même si toute l'Europe vient pour convaincre les Israéliens d'arrêter leurs hostilités, ils ne vont pas le faire. Il n'y a que les Américains, parce que les armes et les munitions, ça vient des États-Unis d'Amérique. Ça ne vient pas d'Europe. Très peu d'armes viennent d'Europe. Ce sont les Américains qui peuvent mettre fin à cette agression. Le problème, c'est que maintenant, ils ont des élections présidentielles dans 40 jours exactement. Et le problème, quand il y a des élections présidentielles, les deux candidats, que ce soit M. Trump ou Mme Kamala Harris, ils veulent faire plaisir à Israël parce qu'ils ont peur du lobby juif aux États-Unis d'Amérique. Et c'est ça le grand problème. C'est là où le bât blesse.